à tous. J'ai choisi aujourd'hui un conte sur les artistes et l'inspiration, parce que les artistes vivent une période difficile, donc déjà je voulais leur rendre hommage, et parce que les enfants sont des artistes, on a toujours besoin d'inspiration. Alors dans l'Antiquité grecque, on parlait des muses pour désigner l'inspiration. On pensait que c'était des muses qui nous donnaient en fait nos grandes idées, donc le conte s'appelle « Le peintre qui avait perdu sa muse ». « Alors je vais l'attendre, » dit-il. Il s'était assis sur le lit, les jambes croisées, position tailleur, et gardait ses pensées bien ordonnées. Il était déjà tard. Bientôt il fera nuit, bientôt la ville se sera endormie, et il restera là, confortablement assis, le cœur aux arrêts, les yeux ouverts, le visage fermé, les traits fixes et fatigués. Et face à la nuit, plongé dans le silence, il se sentira immensément seul. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Sa sœur le regarde, passablement surprise. « Je l'attends, » dit-il. Et ses pensées à cet instant se seront échappées. Elles auront compté les jours, les heures, les événements. Combien de semaines déjà? 2 peut-être? Un peu plus? 2 longues semaines d'absence, de silence et de nuits solitaires à garder ses pensées bien ordonnées. « Abandonné !» pense-t-il. Il aurait envie de hurler « Elle m'a abandonné !» Mais la nuit elle-même ne comprendrait pas. « Et qu'ai-je fait pour mériter ça ?» C'est un artiste et sa muse l'a quitté. Elle est partie visiter d'autres pensées, d'autres nuits, d'autres soirs de fortune. Elle est partie voir ailleurs. Il y a tant de cœurs solitaires, tristes et abandonnés, tant d'artistes, tant de potentiel en ce monde, tant d'esprits libres et esselés. Elle aura bien à faire, pense-t-il. Devant lui, une toile. Il la regarde, un peu triste. C'était un début. C'était avant qu'elle ne parte. Que reste-t-il maintenant ? Une ébauche, un semblant et le vide. Il y avait des couleurs dans cette toile, un parfum de colère, un peu de joie, des paroles familières. La lumière du matin les nuançait, une idée. Ils étaient venus un soir de pluie, tandis qu'ils songeaient. C'était soudain un peu brusque, mais comme il avait l'habitude, il n'était pas surpris. Alors, docile, il avait pris son pinceau, décroché une toile, et il avait peint, des heures durant il avait peint. Peint sans savoir ce qu'il peignait, il avait peint toutes les pensées, tous les sentiments, les pressentiments. Il avait peint son âme et la douceur du monde, et ses mains dessinaient de grands arcs imprégnés d'ombre, de coton et de secrets. Il avait peint sans savoir pourquoi ni comment. Il avait peint parce que c'était un besoin, parce que c'est la vie. Parce qu'il sentait en lui une énergie nouvelle et pourtant si familière, il en devinait les prémices. Bientôt, il aurait offert au monde l'œuvre de toute une nuit. Dans le silence d'un cœur étreint et animé, réanimé, essoufflé, mais heureux pour une fois de conduire la vie vers ses desseins les plus sacrés. Il avait peint parce que quelque chose lui dictait de le faire, lui montrer l'art et la manière. Parce qu'il y avait un souffle en lui qui commandait son destin. Il avait peint à en perdre le souffle d'ailleurs, résolu malgré lui à y consacrer ses espoirs, ses peines et ses envies, jusqu'à se consacrer lui-même, corps et âme, à ce souffle secret. Ce souffle, c'était sa muse, son inspiration, cet élan mystérieux qui venait parfois le sommet de produire, le sommet de créer sans plus attendre une œuvre de son choix. Peindre, c'était toute sa vie. Mais rien ne serait venu, il n'aurait rien vécu si sa muse n'était venue. Il y a longtemps, si longtemps qu'il ne saurait dire, ni se rappeler, ni se souvenir de « depuis toujours peut-être ». Et bien sûr, ce n'était pas la première fois. Abandonnée, combien de fois l'avait-elle abandonnée ? Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il avait un début, une belle idée, et les couleurs du printemps, et le parfum de l'été, et une toile vide, investie de promesses. Oh, elle serait si belle si sa muse lui était restée fidèle. « Mais où es-tu » criait-il cette nuit, les jambes croisées, assis sur son lit, scrutant sans y penser les contours de son atelier. Il fallait qu'elle revienne. Il fallait la trouver. Alors, le lendemain, il prit son sac, ses clics, ses claques et ses baskets, avec l'espoir imparable de la retrouver. Il marcha longtemps, égrena les ruelles, franchit les routes, les avenues, s'éloigna de la ville, traversa une forêt. Pensa l'apercevoir ici, entre deux branches, et puis un peu plus loin, de l'autre côté de la ville. Là où les montagnes se dressent paisibles pour accueillir les passants, les conteurs d'aventures, les écrivains itinérants, les musiciens de rue, les peintres égarés. Les cœurs simples et purs et tous ceux comme lui qui désespéraient de retrouver une muse. Près d'une rivière, il se laisse tomber. Il est si fatigué. Et des forêts près de lui,
vint un homme simple, aux mains fermes, grand, mince, le jean troué, une guitare sur le dos et sur la tête, une casquette. L'inconnu marchait sans allure et fit encore quelques pas, puis se présenta. C'était un musicien itinérant, un guitariste, à la voix grave et nuancée. « Je suis peintre, dit le peintre, ou plutôt je l'étais. » L'inconnu n'en fut pas mécontent et lui conta quelques mots, mais rien de sérieux ni de très palpitant. Et puis comme il se sentait seul, l'inconnu vint s'asseoir près de lui et s'enquit de son aventure. « J'ai perdu ma muse, répondit le peintre. « Perdu ? Demanda l'inconnu. « Perdu, répéta le peintre, abandonné. » Et de murmurer laconique, « Ma muse m'a abandonné. » L'inconnu sortit sa guitare pour caresser les cordes. C'était comme un murmure et ils en profitèrent longtemps. Certes, l'inconnu avait une belle voix. « Oui, ce n'est jamais facile, » conclut-il. « Et pourtant, ça l'était, » répliqua le peintre. « Avec sa muse, tout était si simple. Il suffisait d'espérer, de l'inviter, puis de l'écouter. Bien sûr, c'était toujours à sa demande, mais jamais il ne décidait. Puis tout était si simple, si évident. Et cette muse, » demanda l'inconnu, « à quoi elle ressemble ?» Il espérait peut-être l'aider à la retrouver. Mais c'était impossible, pensa le peintre. Lui-même ne savait pas à quoi elle ressemblait. Dans ses rêves, c'était un visage, de grands yeux insolents, un regard bleu, appliqué et bienveillant. Mais ce n'était rien qu'un visage, perdu dans un souffle. Était-ce un mirage? Du reste, elle était belle, elle était spirituelle. Dans son sourire, on pouvait lire de la sagesse et un rien de génie. Il se souvenait de sa voix aussi, parce qu'il l'entendait parfois tandis qu'il peignait, inspiré par son souffle, quelques-uns de ses murmures. C'est sûr, elle lui manquait. « Et la tienne ? » répondit-il. L'inconnu sourit. « La mienne ? » dit-il. Il était un peu surpris. « Oh, la mienne ne m'a jamais quitté, » dit-il ensuite. Et d'ajouter du même geste. « La mienne me ressemble. La mienne, l'ami. » Il réfléchit un instant avant de conclure. « En fait, je crois qu'elle est en moi, » dit-il. « Oui, c'est exactement ça. » Le peintre garda le silence. « Ma muse, » répéta l'inconnu. « Ma muse, elle est dans cette corde. » Et il montra la corde de mi. Et dans ses mains, qui frappent et tremblent, l'inconnu se leva, éleva la voix comme s'il se sentait inspiré. « Ma muse, dit-il, ma muse, l'ami, c'est le reflet de la pluie, les éclats de l'aurore. C'est la tristesse quand la vie me malmène et mes besoins quand je les néglige. Ma muse, elle est dans mes larmes, dans mes regards et dans mes sourires, elle est dans mes pensées quand je crois avoir compris. Et dans ma voix, tu sais... » Il sourit un instant puis reprit. « Je l'entends parfois. » Le peintre acceptait ces paroles parfaitement attentif. « Ma muse, » poursuivit l'inconnu, « la vérité, je crois, ce n'est jamais que mon esprit. » Il regarda le ciel, lui offrit un sourire puis se rassit. « Et même si je l'ignore, même s'il me surprend, même si parfois je l'abandonne pour courir les rues, courir la vie, même si parfois je l'oublie, ma muse ne me quittera jamais, l'ami. » Et il pinça la corde de mi. Le peintre ne dit rien, il apprenait seulement, et l'inconnu de conclure. « Alors oublie son visage, oublie sa voix et ses murmures, et laisse ton esprit te rendre ses secrets. Va, décroche cette toile que tu retiens, prisonnier que tu es. Inspire-toi de cet arbre qui te tend ses branches. Inspire-toi de ses pommes et de ses oranges, et contemple le ciel. Laisse sa brise te chanter la douceur, la tendresse, et tout ce qui... perdu entre les nuages, te dira que tu es libre. Parce que tu es libre, l'ami. Libre comme le vent. » Le peintre fut surpris. Il n'y pensait pas. Ses paroles firent grand bruit. « Écoute la rivière te bercer de ses flots, » dit l'inconnu. « Écoute les cailloux frapper les ruisseaux. Écoute les tempêtes et le soleil du matin. Regarde en toi, puis ferme les yeux. Oublie-toi un peu et concentre ton esprit. » Sur ces tiges un peu penchées qui recouvrent les racines, sur leur spirale, ce sont des énigmes. Et prends ces racines entre tes mains pour t'inspirer de leurs secrets. Tourne ces racines pour comprendre le mouvement et pioche dans le temps. Tu auras devant toi les vérités de l'instant. Le peintre à ces mots eut un mouvement de recul, mais comme ses paroles étaient justes, il fit un pas en avant. Et quand tu seras de retour à cheval inconnu, quand tu seras seul sur ce lit vide, immensément vide, prends ta palette, ton pinceau, et crée ta muse dans ce tableau. Tu seras toi-même ta propre muse. Tu sauras que ce souffle qui t'anime, qui t'inspire tes plus belles œuvres, ce ne sont jamais que tes pensées quand elles ont du génie. Rien que tes sentiments quand ils ont du talent. Et le ciel, les arbres, les ruisseaux et les racines, les branches, rien de plus ni rien de moins. L'espace et le mouvement.
Le soleil, la lune, les étoiles et le vent donneront à ton pinceau le souffle et l'élan. La pensée qui te brise, l'émotion d'un instant. Et ta muse ne te quittera plus. Elle sera dans le monde l'ami, dans ses moindres détails. Et le temps lui-même te découvrira son génie. Et le peintre sourit.